Dans l'état du Paraná, à la frontière du Brésil et de l'Argentine, le paisible fleuve Iguaçu se précipite dans la gorge du diable. Ce gouffre semble vouloir avaler goulûment toute l'eau que le ciel confie à la terre dans cette partie du monde. Situées à 800 km à l'ouest de l'océan Atlantique, ces chutes d'eau monumentales sont l'emblème du sang bleu donnant vie à la Mata Atlantica, la grande forêt primaire qui s'étend jusqu'à la mer. Infime partie de toutes celles portées par les puissants alizés venus de l'immense océan Atlantique, ces eaux favorisent et entretiennent ici, au Brésil, la plus extraordinaire réserve de biodiversité de la planète. Sur les puissants rapides générés par ces cataractes gigantesques, le pilote bataille pour rejoindre l'aérostier Bruno Schwartz. Nicolas et lui vont tenter de décoller en ballon depuis le bas des chutes d'Iguaçu, dans des conditions défiant toutes les lois de l'aérologie classique. Même un spectacle grandiose, et le mot est faible. On considère à juste titre que le Brésil est un temple de la nature. Dans ce cas, les chutes d'Iguaçu en sont définitivement son pilier le plus monumental. Il faut dire que c'est l'œuvre de 120 millions d'années d'érosion sous le pilon permanent de 6500 m3 d'eau à la seconde. On peut difficilement imaginer une plus belle porte d'entrée à ce territoire de la démesure qui est quelque part l'ultime fantasme des écologistes et des naturalistes. Bonsoir, vous soyez à nature, ce soir consacre les noces de la terre et de l'eau qui s'expriment sur chaque parcelle de ce territoire à travers trois hauts lieux de la diversité biologique que recèle l'immensité brésilienne. L'Amazonie d'abord. Faut-il rappeler que c'est la plus grande forêt tropicale qui soit. À ce titre, le sort de l'humanité est associé au sort de la forêt amazonienne. Le Pantanal ensuite, 200 000 km² de terre immergée, le plus grand marécage qui soit, le paradis des eaux vives et surtout l'une des plus riches réserves naturelles qui est curieusement soumise strictement au cycle des pluies. Enfin, la Mata Atlantica, la forêt atlantique, une forêt reliquelle qui est parsemée le long de la façade atlantique, une forêt refuge, plus ancienne encore que l'Amazonie, en tout cas un itinéraire magnifique qui nous permettra de rappeler que la forêt, contrairement aux apparences, ça n'est pas un simple fatras végétal, mais c'est un modèle d'organisation et de coopération. Puis ce sera, je pense, ce soir, une occasion unique pour aborder deux notions essentielles et passionnantes. La première, c'est la spéciation, ou comment la forêt enfante de nouvelles espèces. Et puis nous parlerons aussi de ces associations entre espèces, les services rendus par les uns pour les autres. Ce sont en quelque sorte ces oiseaux, ces rongeurs, ces primates, ces insectes, mais aussi ces poissons qui se sont transformés en jardiniers de la forêt. Ces jardiniers qui sont au service du plus beau jardin qu'il soit, ces magnifiques forêts essentielles à l'homme. Que la fête commence. C'est que ça, c'est ce qui s'appelle un vol d'anthologie, parce qu'on ne doit pas être nombreux à avoir volé sur Iguaçu. Sûrement. Bon, à toi les commandes. Allez. On va voir ce que ça va donner. Il y a un peu de vent, hein. Ouais, pas mal.
monsieur. Suspend notre vol autant que nos émotions, car l'instant est tout simplement magique. Et à la mesure qu'on se hisse vers le ciel, se découvre le plus beau des rideaux aquatiques. 275 chutes ont été recensées. Quelle merveille de la nature. Iguaçu, le carrefour mythique de trois frontières, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Magnifique. Ah là 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 là, magnifique, 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 magnifique. Hein ? Extraordinaire, quelle vision. Le champ de la nature, hein. Quelque chose d'extraordinaire. Alors on va faire. Géologiquement, la fracture responsable de la gorge du diable date de 120 millions d'années. Les Indiens Kaigang lui ont trouvé une origine plus poétique. Ils l'attribuent à la colère de Mboy, le dieu serpent chargé de veiller sur leur tribu. Naipi, la fille du chef, lui était promise en mariage. Mais elle part en pirogue le soir des noces avec le guerrier Taroba. Furieux, le dieu serpent provoque une gigantesque crevasse dans le lit du fleuve où s'engloutit la pirogue. Le beau guerrier se transforme en palmier dominant les chutes et Naipi en un rocher en contrebas. Depuis, les deux amants se contemplent sans jamais plus se rencontrer. Wow, écoutez le grondement d'Iguaçu. Cette cataracte, large de près de 3 km, qui s'abîme dans cet écrin de verdure, le mariage de l'eau, du végétal et du minéral. On peut difficilement souhaiter un accès plus original à la Mata Atlantica, cap sur l'exubérance de cette forêt qui recèle sur un plan biologique quelques richesses insoupçonnées. Et la difficulté va être de trouver une petite clairière pour pouvoir y poser le ballon. Et bon, les dieux vont nous aider, non ? Bah, s'ils ont fait ça, ils me feront le reste. En pilote chevronné, je te laisse pour l'atterrissage. Bruno Schwartz trouvera une clairière dans la forêt dominant ces chutes de 90 mètres de haut, où se déversent de 1800 à 6500 mètres cubes d'eau par seconde. Nicolas Hulot, quant à lui, va rallier 800 km plus à l'est les bords de l'océan Atlantique. Il y a 1000 ans, la Mata Atlantica étalait encore son immense tapis de verdure sans discontinuer sur 3000 km à l'est du Brésil. L'héritage colonial a sonné sa destruction, notamment au cours du dernier siècle. De la vaste forêt atlantique originelle ne subsiste plus aujourd'hui qu'une mosaïque de verdure éclaté en milliers de fragments. Nicolas a retrouvé Pierre-Michel Forget, écologiste au Muséum national d'histoire naturelle, et le guide Roberto au sommet de la cascade de Salto Morato.
quoi. On voit bien l'Atlantique. Sublime. Là. Ouais. Vraiment, oh là là. Voilà ce que l'on appelle la Mata Atlantica ou la forêt atlantique. Forêt atlantique. C'est très très riche en orchidées, en épiphytes, en broméliales, puisque c'est très humide, c'est une forêt très humide, baignée en permanence par les alizés. Qui lui porte l'humidité, qui vient cogner contre le relief, et de ce fait, ça lui a permis d'avoir une humidité permanente. Permanente, sinon on aurait là une région assez sèche. En fait, c'est une forêt qui est étalée mais fragmentée le long de la façade atlantique. Fragmentée aujourd'hui, mais qui ne l'était pas. Hein. Donc aujourd'hui, il persiste, selon les estimations, 7 à 8% de la forêt d'origine, principalement dans des fragments de grandes surfaces comme dans cette région, mais aussi sous forme de multiples petits fragments isolés tout au long de cette ancienne Mata Atlantica. Alors ce qui est amusant quand on regarde comme ça un manteau forestier, c'est qu'on n'imagine pas sous la cime des arbres le nombre d'espèces végétales et animales qui ont été forgées au fil du temps par ces contractions ou ces dilatations de la forêt. Oui, parce que ceci était complètement couvert de forêts primaires Mata Atlantica. Hein. Allez, on va descendre sur le côté et après on va s'enfoncer dans la forêt. C'est par là. Ça glisse, hein? Imagine que tu marches dans un jardin botanique, hein? Voilà. Ah non, non, on ne s'accroche pas aux plantes. Hein. Je ne vais pas m'accrocher aux plantes. Ah, non, non, non. Je vais me servir du minéral. Ah. Une bonne prise. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein? Ah ouais, mais on voit les gens qui ont quand même l'expérience là. Hein. Ah, on commence à s'immerger dans la Mata Atlantica là. Bon, bah, allez, continue. C'est superbe. Hein. Là, on retrouve toutes les épiphytes. Hein. C'est comme si c'était la canopée qui descendait là au niveau du sol. Hein. C'est extraordinaire. Oh là là. Super broméliacée en fleurs, là. Génial. Le terme épiphyte désigne les plantes se développant sur d'autres végétaux sans les parasiter. Parmi elles, beaucoup de broméliacées ont fait de cette paroi à pic leur lieu de prédilection. Chaleur, rayonnement solaire intense, extrême humidité, il tombe ici entre 2 mètres et 4,50 mètres d'eau par an. Toutes les conditions sont réunies pour entretenir un univers végétal hors du commun. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est bon. Et allons-y. Hein. Après cette longue descente en rappel de 90 mètres, Nicolas et Pierre-Michel Forget pénètrent au cœur de la Mata Atlantica, où la vie du monde végétal et du monde animal est intimement liée. On a l'impression que cette forêt est intacte. En fait, elle a été exploitée il y a un certain temps. Ah, ça, c'est superbe. Alors là, Nicolas, on a un très bel exemple de plantes dispersées par les rongeurs. Ça, là? Ouais. On a un tronc très épineux, d'où son nom latin, Astrocarium, de la famille des palmiers. Les épines, c'est pour dissuader les... Ça dissuade nombre de consommateurs de fruits qui ne peuvent pas accéder à cette infrutescence que l'on voit ici, hein, qui pend. Alors c'est un modèle réduit de la noix de coco, hein, tout simplement. Alors ces fruits sont consommés par les rongeurs, du genre agouti. Donc l'agouti, en période de fin de fructification, a un certain stress alimentaire, il recherche de la nourriture, et d'un seul coup, il tombe là sur une espèce de nourriture providentielle abondante. Il se passe un stimuli chez lui, il se prend la graine et il cherche quelque part, un site où l'enterrer pour la cacher d'autres consommateurs. Donc, il va se déplacer comme cela dans le sous-bois et puis trouver un endroit propice où il pourra éventuellement la retrouver plus tard. Il va faire un petit trou, il va mettre la graine, assez enterrée, 5-6 cm, la reboucher. Et puis, il va regarder autour et puis il va chercher une feuille pour la couvrir. Et voilà. Ça demande beaucoup d'observation pour imiter aussi parfaitement les aboutis.
un certain nombre d'heures et surtout se lever très tôt parce qu'à cette heure-là, ils sont au repos parce qu'ils ont déjà bien travaillé ce matin. Non, mais au-delà de la plaisanterie, ce qu'il faut dire, c'est que les aboutis, ils ont un rôle très important. Eux. Essentiel. Eux, c'est vraiment les jardiniers de la forêt. Essentiel. Si la graine reste au sol, qu'elle n'est pas emportée par un agouti, elle est la proie de nombreux prédateurs. Une graine qui reste au pied de l'arbre, d'abord, elle ne va pas profiter de la lumière. Ah là, c'est et terminé. Deuxièmement, elle a toutes les chances d'être détruite par... Par d'autres animaux, voilà. Destructeurs de graines. Tiens, Nicolas, viens voir, c'est très intéressant. Là, on peut voir ici les limites de deux anciennes fermes, alors qu'apparemment, il y a une couverture totale. Cette zone a été exploitée il y a une douzaine d'années, puis abandonnée. Et alors, l'exploitation ici a été très intense, c'est-à-dire qu'on a pratiquement coupé à blanc la forêt. Blanc, ouais. Ouais. Donc, il restait que le sol, quelques arbres isolés. Et il faut qu'il y ait des animaux proches qui amènent les graines ici pour qu'elles puissent à nouveau s'exprimer et reconquérir un territoire qui avait été perdu par la végétation. Tous ces animaux vecteurs de graines ont besoin de grands territoires, souvent, et bien plus grands que ce qui reste aujourd'hui dans la Mata Atlantica. Des surfaces au moins égales à 1000 hectares, sinon 10 000 hectares, de manière à pouvoir maintenir là un stock à la fois de plantes, de semences, et aussi un réservoir d'animaux qui vont être les transporteurs de ces plantes. C'est au moins une des utilités du classement de cette zone en patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir quelques petits pourcents de la planète classée patrimoine, il faudrait quand même qu'on ait une proportion une plus grande surface, beaucoup plus importante. Chaque étage de la forêt possède ses habitants. Le coati, sociable et diurne, s'adapte à tous les milieux. Lui aussi participe à la dissémination des graines. Ce n'est pas le cas du pécari qui les mastique et les détruit. Dans les frondaisons, un singe hurleur, l'une des 21 espèces de primates répertoriées dans la Mata Atlantica, veille jalousement sur son territoire. Moi, j'ai un petit faible pour les figuiers. D'abord parce qu'ils ont quand même un port majestueux. Et puis, ils ont quand même un rôle écologique très important. Et puis surtout, le figuier, ça produit énormément de fruits pendant les saisons sèches. Et alors là, c'est la totalité de la faune que l'on voit. Et quand il y a pénurie ailleurs, il se concentre ici, c'est ouvert 365 jours par an. Quoi. C'est pratiquement ce que l'on peut dire, à la fois dans l'arbre et au sol. C'est un peu ce que vous appelez des espèces clés de voûte. Parce que quand un figuier disparaît, voire plusieurs figuiers, ça a des conséquences écologiques très importantes dans la forêt. Puisque ça peut entraîner une forte mortalité des populations de vertébrés et d'invertébrés. C'est l'effet domino. Quoi. Donc c'est vraiment un arbre qui porte l'édifice entier de la forêt sur ses épaules. Le self-service de la forêt tropicale. J'adore cet arbre. Cette forêt côtière possède de quoi réjouir le plus blasé des ornithologues. On a dénombré 620 espèces et sous-espèces d'oiseaux de toutes tailles et de toutes les couleurs, dont plus de 200 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs, pas même en Amazonie. Sur certains arbres, on ne sait plus si ce sont des oiseaux ou du feuillage. Des milliers de perruches vertes ont fait de celui-ci leur perchoir. Ce perroquet à joues pourpres, endémique, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs, est le plus menacé de cette région. On estime aujourd'hui à environ 1200 le nombre des perroquets à joues pourpres. Tous se rassemblent le soir venu sur cet îlot proche de Superagui. Dans la forêt atlantique brésilienne, l'endémisme est partout. La dernière montée du niveau des océans a piégé sur un îlot un petit primate de la famille des tamarins. Pour l'apercevoir, Nicolas, Pierre-Michel Forget, guidé par Roberto, vont devoir marcher des heures dans cette forêt inondée, infestée d'insectes et inaccessible. Mais le tamarin lion à face noire se mérite.
récompensé quand même. Oui, c'est pas une mince affaire d'arriver ici. Hein. Tu vois la queue qui bouge donc. C'est tout petit, hein, mec. Allez. Tu vois, ils ont des griffes. Ils peuvent bien s'accrocher comme ça. En fait, ils sont beaucoup, ils ont besoin de s'équilibrer. Donc avec la longue queue, ça leur fait un balancier. On va bien. Ah, ils chassent là. Hein. Là, regarde. Ah, ils chassent des insectes, ils regardent, ils surveillent sur les branches. Hop, hop. Ils ont un pelage d'une totale beauté. Ah oui. Un roux magnifique. Ça brille dans le soleil, ah, c'est extraordinaire. Et ajouté à cette crinière de lion, hein, d'où leur nom, c'est les Black Face Lion Tamarin. Ouais, mais... Vu de l'extérieur, peut-être que notre emballement peut paraître disproportionné par rapport à un spectacle qui peut sembler anodin, parce que des primates dans des arbres, c'est pas la première fois qu'on en voit à ceci près, et c'est quand même une différence de taille, que l'espèce de primate que nous avons devant les yeux a été découverte en 1990, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, et très probablement que c'est une nouvelle espèce, ce qui veut dire que c'est un véritable événement pour les biologistes et pour les naturalistes. C'est un trésor pour l'humanité. Là, ils mangent. Ce sont des disséminateurs aussi. Ah oui, oui. Là, la taille maximale de graines qu'ils peuvent disséminer, c'est de l'ordre de 1 cm, 1,5 cm. Leur régime consiste en majeure partie de fruits pendant la saison des pluies. Et bon, le reste de l'année, quand il y a beaucoup moins de fruits, bien sûr, ben, ils changent pour un régime plus insectivore. Ils sont petits, donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et là, ils prospectent sur de très grandes surfaces, hein, 300 hectares, ce qui est incroyable pour un animal aussi petit. 600 grammes, 300 hectares, c'est énorme. Et on va essayer, là. Ils sont un peu éloignés pendant qu'on parlait. Ah ouais, il faut vite. Hein. Le tamarin fait partie d'une famille de primates assez répandue. Oui, les Calitrichidés, deuxième famille de primates. Mais très probablement que cette espèce-là, les Black Face Lion Tamarin, sont une espèce en soi, ce qui est un cas d'école, ce que l'on appelle la spéciation, pour expliquer justement la manière dont la forêt peut parfois engendrer de la diversité. Engendrer de la biodiversité, qu'on crée de nouvelles espèces. En général, le premier facteur, c'est quand une espèce se retrouve isolée. Et un des événements réguliers qui arrive depuis la nuit des temps, c'est les périodes de glaciation. Qui dit glaciation dit stockage de l'eau. De l'eau. Qui dit stockage de l'eau dit sécheresse. Qui dit sécheresse dit réduction de la forêt. Et donc probablement qu'il a été mis en captivité naturellement dans ce fragment de la Mata Atlantica et que donc il a évolué au fil du temps. Au point qu'aujourd'hui, il constitue probablement une nouvelle espèce de primate. Il faut espérer maintenant que ces groupes puissent se maintenir sur le plus long terme, parce que comme on le voit ici, on est quand même dans une situation un peu dramatique. La surface est limitée, et donc il n'y a pas d'échange génétique avec les populations les plus proches. Parce que la fragmentation, quand elle est générée rapidement par l'homme, ce qui est le cas, elle génère là. La baisse massive de biodiversité. On peut même dire la disparition de la diversité. Extinction d'espèces. Tu remarqueras que la forêt atlantique utilise le maximum de territoire. Hein, elle concède peu d'espace à l'océan. Les tuliers qui prennent le relais là, sur la plage. On comprend mieux que ça s'appelle la Mata Atlantica. Voilà l'Atlantique. Roberto. Nada. Obrigado. Roberto. Nada. Obrigado. Pendant ce temps, une autre équipe d'Ushuaïa Nature a rejoint la Varzea, vaste forêt inondée près de Manaus, à la jonction de l'Amazone et du Rio Negro. De décembre à mai, la saison des pluies sur le bassin amazonien fait déborder le plus grand fleuve de la planète. Les eaux montent alors de 8 à 15 mètres et prennent possession de la forêt sur 700 000 km², une surface équivalente à la France et l'Italie réunies. Jean-Philippe Baudouézi, éco-guide au Brésil depuis 20 ans, accompagne l'équipe d'Ushuaïa Nature embarquée sur un bateau conçu pour se glisser au cœur de cette forêt inondée, dépourvue de toute infrastructure. Bâti sur le modèle des embarcations amazoniennes traditionnelles,
Le Maïra, avec ses trois ponts, son fond plat, ses 20 mètres de long et ses 6 mètres de large, est fait d'une cinquantaine d'essences de bois locaux différents. Depuis qu'il étudie la forêt amazonienne, Jean-Philippe Baudouézy a tissé des liens privilégiés avec les populations locales, les caboclos. Pendant la saison sèche, ces Indiens métissés pour la plupart s'occupent de leur bétail. Lorsqu'arrivent les crues gigantesques, ils mettent leurs animaux au sec sur des collines et deviennent des pêcheurs-cueilleurs très habiles. Les enfants sont rapidement aussi précis que leurs aînés, utilisant indifféremment l'arc ou la lance pour parvenir à leur fin. Noyé, émerge seulement la cime des plus grands arbres. En 1953, la crue exceptionnelle de l'Amazone avait atteint le record de 23 mètres et transformé le fleuve en une vaste mer intérieure. Le Maïra ressemble à une arche de Noé traversant le déluge. Difficile d'imaginer qu'il flotte sur une jungle dont les arbres ont été pour la plupart défoliés par la crue. La navigation sur ce bateau des cimes est délicate. Équipage et passagers aident aux manœuvres. Sensation étrange de devoir tailler son chemin à coups de machette dans les hautes branches d'une forêt tropicale. Étrange aussi, lorsqu'on navigue, de devoir surveiller une impressionnante colonie de fourmis capable d'investir le navire au moindre contact avec l'arbre noyé où elles ont fait leur nid. L'inventaire de la faune et de la flore de la région du Rio Negro est encore très rudimentaire. Jean-Philippe Baudouézy y travaille activement avec l'aide des caboclos. Il leur montre les différents échantillons de terre amazonienne prélevés avant les crues. Par ici, on peut avoir entre 60 et 100 km de Varzea. Après, il y a la terre ferme, puis on entre là-dedans. On passe par toute cette partie ici, puis on monte. Chaque jour, accompagné de Miguel, le scientifique part explorer la Varzea en pirogue. Depuis le temps, les animaux se sont adaptés à la lente montée annuelle des eaux. La plupart sont d'excellents nageurs. Selon une évaluation scientifique, 10 km carrés de la Varzea abritent 1500 types de fleurs, 750 essences d'arbres, 125 espèces de mammifères et 500 d'oiseaux, plus de 300 espèces de poissons et plus d'une centaine de reptiles. L'eau, omniprésente, semble avoir tout étouffé, tout anesthésié.
Pourtant, plonger dans cet univers étonnant est une expérience unique. Entre les troncs immergés mais intacts, les poissons, les crocodiles et les serpents ont remplacé les oiseaux et nagent de branche en branche. Miguel et le scientifique regagnent le Maïra à la tombée de la nuit. Trop de choses à voir, trop d'échantillons à collecter. Plus tard dans la soirée, sur le pont du bateau, ils font l'inventaire des trésors ramassés. Il n'est pas très dur, le fruit. Non, seulement quand il est vert. Il y a à peu près 1, 2, 5, 6. Ah, c'est la plus vieille qui est dure. On en a encore. Voilà. On pense que ça sort par là, mais non. Oui, c'est ça. Et voilà le fruit qui sort. Il est lourd, hein? Eh, oui, c'est lourd. Mais est-ce que tu manges cette partie aussi? Non, seulement ça. Ah, il est beaucoup plus mou que l'autre, hein? Oui, bien sûr. C'est cela qui est bon. Beaucoup plus à l'est de la Varzea, au nord de Rio de Janeiro, dans une poche résiduelle de la Mata Atlantica, Nicolas Hulot a rejoint le biologiste brésilien Adriano Carello, spécialiste depuis 12 ans de l'un des mammifères les plus lents de la création. Par ici. Ok, good. Oh, il y a un essaim d'abeilles. Partons. Oui, les abeilles. Les stings. On se barre. Il y a un truc qui est pour bien. Allez, voilà qui arrive. Dépêche-toi, plus vite. Faut se barrer. Ouais, ce sont des abeilles africaines. Elles piquent très fort, hein. Remarquablement bien adapté à son environnement, l'animal est difficile à repérer. Adriano connaît les arbres où il est susceptible de se trouver. Mais il faut son œil exercé pour l'apercevoir. Il est là. Où ça? Très haut dans l'arbre. Où? Hidden. Caché. Il est caché au milieu du feuillage. C'est ce qu'on voit là? Oui, c'est une espèce d'ombre. Aux jumelles, tu verras, il y a un paresseux. Elle a un bébé. What kind of species? Quel genre d'espèce est-ce? Cette espèce est un manède paresseux. Manède parce qu'il a des poils noirs au niveau du cou. Son nom latin est Bradypus torquatus. C'est une espèce endémique qui ne vit que dans la forêt atlantique du Brésil. En train de nous regarder. Vous savez quel âge il a? Le bébé a 3 mois. Et la femelle? Probablement 5 à 6 ans. C'est une des rencontres animales les plus émouvantes qu'il soit, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un animal emblématique, menacé, mais surtout parce que c'est très certainement l'un des mammifères les plus primitifs qu'il soit.
Il appartient justement à ce groupe très primitif qu'on appelle les édentés. On se demande comment, étant aussi vulnérables, ils ont pu traverser comme ça des temps immémoriaux. Et en réalité, c'est parce que ces animaux, c'est vrai, extrêmement lents, ont développé parallèlement des mécanismes de compensation. Ils sont passés experts et maîtres dans l'art de se camoufler, à telle enseigne que même des rares biologistes qui étudient les paresseux et qui passent du temps avec eux mettent beaucoup de temps à les retrouver dans la canopée. Ils se cachent la plupart du temps très haut dans la canopée. Ainsi, ils échappent aux jaguars, aux pumas et aux serpents à bigot. Alors évidemment, ses outils les plus adaptés, ce sont ses quatre membres avec ses griffes excessivement efficaces pour s'accrocher aux branches et cette possibilité de se contorsionner dans tous les sens pour opérer d'un point fixe et optimiser au mieux son rayon d'action, car plus il peut limiter ses déplacements, mieux c'est pour lui. Et c'est quand même un animal qui consacre 60%, 70% de son temps à dormir. Et il a entre autres la possibilité, que l'on ne trouve d'ailleurs que chez le hibou, de tourner la tête sur 360 degrés, ce qui compense une vue assez médiocre. Les poils poussent à l'envers, donc quand il pleut, l'eau coule dessus. Leur robe est montée à l'envers, en quelque sorte, et fixée sur le dos, ce qui fait que quand ils sont sur le ventre comme ça et qu'il pleut, l'eau ruisselle et ne s'accumule pas à cet endroit-là, de manière notamment, entre autres, à protéger les petits qui peuvent y être accrochés. Leur métabolisme est très lent. 99% de leur régime alimentaire est composé de feuilles d'arbres. C'est une nourriture extrêmement difficile à digérer. La digestion entière prend près de 150 heures. La particularité du bradipus est que sa température peut varier de 10 degrés. Leur rythme cardiaque est particulièrement plus lent que chez les autres mammifères de cette taille-là. De l'ordre de 30 à 40 pulsations par minute, peut-être même moins. C'est définitivement, en tout cas dans les vertébrés supérieurs, l'animal le plus lent qu'il soit, à tous les sens du terme, dans son déplacement, autant que dans son métabolisme. On voit bien justement que cette espèce de lenteur pourrait les desservir au moment où l'espèce humaine prolifère. Ça les expose d'autant plus et... Souhaitons que, après avoir réussi à traverser justement le fil des âges, en profitant de cette discrétion maximum, eh bien, ça ne devienne pas un handicap à notre contact. Encore faut-il que les hommes laissent à ce roi de la lenteur suffisamment d'espace vital. La déforestation grignote inexorablement son territoire. Lorsque les plantations sauvages de caféiers ont remplacé les grands arbres, il est trop tard pour revenir en arrière. 150 000 hectares de forêt ont disparu en 5 ans dans le seul état du Paraná, morcelant chaque jour un peu plus la Mata Atlantica, l'un des 25 derniers temples de la nature existant sur la planète, à sauver en priorité. Nicolas est à la station biologique de Santa Cruz, une autre enclave de la Mata Atlantica. Cette station est la raison de vivre de Jacques Vieillard, ornithologue d'origine française installé au Brésil depuis plus de 3 décennies. Une sommité scientifique pour ses travaux dans ce pays. Il fait découvrir à Nicolas l'objet actuel de ses études, les colibris. C'est quand même une drôle d'expérience d'essayer de ressembler à une fleur. En tout cas,
quand on sait que certains de ces colibris mangent jusqu'à 2 à 3 fois leur poids en nourriture par jour, de nectar principalement, on pourra difficilement par la suite parler d'appétit d'oiseau, car si les humains mangeaient l'équivalent, pour ma part, c'est comme si j'avalais chaque jour 210 kg de nourriture. J'ai essayé de me transformer en fleur pendant une demi-heure. Je suis quand même parvenu, ils sont venus 4-5 fois hein, dans les ben corolles oui, des fleurs. Les béja-fleurs, embrasse-fleurs. Il y a combien d'espèces là. Ici là, qui tournent autour de ton ah, aujourd'hui, là, on en a vu une douzaine. Il y en a déjà plus de 20 qui ont été enregistrés ici. Celui-ci, c'est le grand colibri à queue d'hirondelle. Et alors, cette fantastique couleur dont ils sont dotés, je suppose, est due à une pigmentation très particulière. Non, c'est la réfraction. Uniquement, ce sont des couleurs physiques qui sont dues à la réfraction sur la structure fine des plumes. Ça varie un petit peu avec l'incidence de la lumière, d'ailleurs. Alors, pour les manipuler, c'est très facile. Si on les prend par le bec, ils se sentent tout à fait impuissants, ils restent calmes. Vous les relâchez, j'espère. Ah oui, on les relâche, mais pour faire des études, on va le mettre dans une petite cage en toile. On va lui donner une quantité mesurée d'eau sucrée pour voir quelle est sa consommation journalière. Et on a mesuré jusqu'à présent une moyenne de 3,5 fois son poids. Oui, c'est encore par jour. Plus que ce que je viens de dire. Ouais. Il montre des capacités absolument uniques. D'apprentissage. Apprentissage ouais. Du langage, mais oui, c'est l'un des rares groupes animaux qui soit capable intellectuellement, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a les structures cérébrales qui permettent d'apprendre des sons qui correspondent à des messages spécifiques. Il y a aussi tout un répertoire très complexe pour les interactions sociales qui sont très importantes chez les colibris, tant pour la cour que pour la défense des ressources alimentaires. Et alors, ce bec que l'on voit rentrer dans les corolles de fleurs avec une grande précision dissimule un organe excessivement sophistiqué qui est cette langue, qui est une véritable pipette à nectar. C'est ça, et avec ça, il pompe le nectar qui est dans le fond de la corolle des fleurs. Ou alors, ils se nourrissent dans ces petites bouteilles d'eau sucrée. Ce qui est quand même amusant, c'est qu'on passe quasiment sans transition de deux animaux totalement différents, à l'opposé au niveau du comportement et du métabolisme, le paresseux, qui est passé maître dans l'art de la lenteur et de l'économie d'énergie, à ces petits oiseaux qui, eux, sont en permanence en débauche absolue d'énergie, d'effort, de vitesse. Quand on voit qu'eux, ils ont des pulsations cardiaques qui peuvent aller jusqu'à 1500 ou 2000 pulsations par minute, idem d'ailleurs pour le rythme respiratoire, et quand ils font ces fantastiques vols stationnaires, le battement d'ailes, ce qu'on appelle du vol vibré, au contraire du vol battu. Ça varie de 20 à 90 par seconde. Avec un mouvement qui est très sophistiqué, ça n'est pas un mouvement de rameur, mais ça ressemble plutôt à un mouvement d'hélice. Ils ont une articulation spéciale de l'aile qu'aucun autre oiseau possède, qui leur permet justement de voler en ligne droite à grande vitesse, de s'arrêter pile et de marcher à reculons. Bon, on va les remettre en cage et puis on va attendre qu'ils tombent en torpeur, lui et les autres. C'est ça, oui. La torpeur, un état physiologique étrange dans lequel plongent les colibris la nuit venue. Une sorte d'hibernation de quelques heures, pendant laquelle l'oiseau perd conscience pour économiser son énergie. Les battements du cœur et la respiration se ralentissent, et la température corporelle s'abaisse très sensiblement. Voilà, Nicolas. Colibri en torpeur. C'est incroyable. Il roule dans la main. Ça veut dire quoi, qu'il dort, là ? Non, il est en métabolisme réduit. C'est comme un hibernage. Ça pèse quoi ? Ça pèse 4-5 grammes ? Non, pèse 1,8 g. Mais dis-moi, il y a des tas d'insectes qui sont beaucoup plus lourds que cette oiseau. 1,8 g ? C'est pas le plus léger, celui-là ? C'est l'un des plus petits du monde, enfin, c'est pas le plus petit encore. C'est quoi comme espèce ? C'est le Phétornis de Idali. C'est une espèce endémique de cette portion de la forêt atlantique. Il est minuscule. Tu veux que je lui donne... Oui, alors attention, voilà. Ah, il se réveille tout seul. Il faut lui donner à boire pour qu'il reforme ses réserves. Hein. Allez, si on m'avait dit qu'un jour... Tu donneras le biberon à un colibri de 2 grammes. Il y a combien d'espèces de colibris ? Oh, plus de 300 même, oui.
n'existe que sur le continent américain, les continents américains? Bon, ça, c'est une question de biogéographie. C'est sur le continent, d'ailleurs, sud-américain, que les colibris sont apparus. Ensuite, ils ont colonisé l'Amérique du Nord. Seulement quelques espèces qui vont jusqu'à l'Alaska, mais qui, évidemment, en hiver, sont bien obligées de remigrer vers le sud. Dans le centre de dispersion, et probablement, d'ailleurs, surtout dans les Andes, mais on a une série d'espèces. Hop ! Voilà, il s'est posé ici, voilà. Il est tout à fait réveillé. Il va pouvoir continuer sa vie, normalement. Nicolas a retrouvé Pierre-Michel Forger à Bonito, au bord des eaux transparentes du rio Sucuri. Il est extrêmement rare de trouver des rivières aussi limpides. La transparence est due aux nombreuses sources fortement chargées en bicarbonate de calcium qui fixent et précipitent au fond de la rivière les impuretés en suspension. Le rio est peu profond. Palmes, masques et tubas suffisent pour apprécier le spectacle. Dans cet aquarium naturel géant, de nombreux poissons du Pantanal, après avoir parcouru des distances considérables, se rassemblent pour frayer. C'est la piracema, la migration annuelle. Dans le sud, elle a lieu en novembre-décembre. Le même phénomène migratoire existe au nord du Pantanal d'avril à la fin mai, cette fois en direction de l'Amazone et de ses affluents. Portés par le courant, les nageurs traversent des bancs de poissons de toute taille. 230 espèces ont été recensées dans le Pantanal. Ils se reproduisent ici une fois par an, mais le frai est tributaire de nombreux facteurs. Le temps, la température ambiante ou la force et l'intensité des précipitations peuvent troubler la transparence irréelle de ces eaux et perturber le cycle de reproduction. Végétariens, frugivores, insectivores et bien sûr carnivores, la plupart des poissons d'eau douce que l'on trouve dans le bassin amazonien se retrouvent dans cette rivière de l'extrême sud du Pantanal. Cet énorme poisson-chat n'a plus grand-chose à redouter de la faune aquatique qui l'entoure. L'impression de naviguer dans un énorme gigantesque aquarium. C'est infernal. Et alors, à ton avis, il y a combien d'espèces de poissons ici, par rapport au Pantanal? Alors, il faut là se référer aux travaux de José Sabino de l'Université de Campinas, qui a fait un inventaire complet de la faune de poissons dans cette rivière. Qui vient de le faire. Hein. Tout ça a été découvert. Donc, cette région récent, a été... C'est 1999, voilà. 2000. Il a découvert qu'il y avait pas moins de 40 espèces ici.
Ce qui est amusant, c'est de voir les interactions quand même assez insolites qui ont été mises au jour justement par les scientifiques. Et on ignorait notamment que les poissons avaient eux aussi un rôle de disséminateur pour la forêt. Alors ici, tu vois, on a le piraputinga. Et ce poisson donc, est un frugivore. Et il s'alimente exclusivement des fruits que laissent tomber les singes. Comme cela. Comme cela, tu vois. Donc ce singe est le macaque. Et alors, les fruits que le singe laisse tomber, là, c'est par maladresse ou c'est... Oh, ils en laissent tomber. Quelquefois, il y a des insectes, ils n'aiment pas, ou le fruit n'est pas assez mûr, donc ils le laissent choir. Et puis les poissons ben, en profitent pleinement. Hein. C'est un bel exemple d'interaction entre espèces, d'association d'espèces au profit de la forêt, quelque part. C'est à nouveau du mutualisme. Mais là. Quand les poissons avalent les graines, qu'ils les digèrent, elles vont rester quand même fertiles. Elles vont rester intactes. Ils vont après relâcher ces graines beaucoup plus loin. Ils les relâchent. Bon, bien sûr, une bonne partie doit être perdue au fil de l'eau. Mais bon... Aux périodes d'inondation. Ça remonte, ça va sur les berges. Et lorsque l'eau descend, ces petites graines s'enfouissent dans la litière. Et comme ici, on a beaucoup de lumière... Les figuiers sont des espèces quand même assez pionnières, elles ont besoin de grandes ouvertures pour se développer. Elles se mettent à germer et elles se développent. Alors là, elles s'expriment pleinement dans un milieu idéal pour elles. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais passer par le bras qui est là. Tu prends le haut de bras. Oui. Et puis on essaie de se retrouver. On va voir, oui, hein, par là. Allez, je vais mettre mon masque. Allez. Les eaux du rio Sucuri réservent à Nicolas une superbe surprise. Depuis 20 ans, des scientifiques viennent quotidiennement sur les berges de cette rivière étudier la faune et la flore. Jamais ils n'y avaient observé de loutre géante. Un animal splendide, de près d'1,80 m, tout en muscles et en graisse. Cette élégante torpille, curieuse et carnassière, va jouer à cache-cache avec Nicolas et les caméras d'Ushuaïa Nature pendant de longues minutes. C'est un moment de bonheur à l'état pur. La rencontre totalement inespérée avec une loutre sauvage, d'abord curieuse, après un peu inquiète, pour finir dans une complicité absolue. Et c'est certainement l'une des rencontres les plus inattendues et les plus rares qu'il soit. Quel spectacle dans cette eau d'une transparence absolue. Séquence d'anthologie. On a presque les larmes aux yeux. Grand moment de nature. Profondément ému par cette rencontre, Nicolas aura bien du mal à quitter la compagnie de cet animal sauvage.
La loutre géante, insatiable, nage toujours à ses côtés. Elle semble vouloir lui ouvrir toute grande les portes du vaste pantanal, l'une des plus somptueuses réserves de biodiversité de la planète, qu'il va aller explorer. Après avoir exploré la Mata Atlantica, Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature sont au Pantanal, vaste dépression alluviale de 250 000 km², située au cœur de l'Amérique du Sud. Pour observer ce monde labyrinthique, Nicolas et l'ornithologue Jacques Vieilliard ont choisi de le survoler en ballon dirigeable. Du jour pour aller embrasser le Pantanal, ce grand marécage. D'ailleurs, c'est la traduction littérale du mot Pantanal. Eh oui, Nicolas, le plus grand marais, ou plutôt zone humide de la planète, recueille les eaux qui vont de la bordure sud de l'Amazonie jusqu'à tout le Brésil central et le sud-est également. Il faudrait essayer d'aller un petit peu comme... On va survoler cette lagune et après on va essayer de remonter dans l'eau. Ça, oui. C'est un art de manœuvrer ça, hein, Nicolas. Écoute, pour l'instant, le vent est avec nous. De toute façon, on se pose facilement. Je dirais ça tout à l'heure. Ah bon? T'aurais pu me le dire avant. Le Pantanal est un carrefour et un vivier. C'est là que se rencontrent les faunes amazoniennes, les faunes de savane centrale et les faunes des forêts du sud du Brésil, y compris la forêt atlantique qui atteint l'extrémité sud du Pantanal. Et l'atmosphère semble s'être soudainement figée pour nous permettre le vol le plus agréable qu'il soit. Pour faire en sorte que Jacques Vieilliard se décontracte un tout petit peu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Oui, c'est très bien. Chaque année, les eaux du Rio Paraguay et de ses nombreux affluents s'épanchent, s'infiltrent et réapparaissent pour former la plus grande nappe phréatique du monde. En début de saison sèche, les lacs d'eau saumâtre, où la végétation est absente, alternent avec les baïas, des marécages colonisés par les nénuphars géants. La hauteur d'eau varie entre 20 cm et 2,50 m tout au plus. Les zones exondées dépassent rarement quelques mètres de hauteur, mais cela suffit aux habitants, les Pantaneros, pour nommer ces minuscules collines des cordillères. Regarde ça, magnifique. Deux perroquets bleus, deux haras bleus qui sont passés à ras de la cabine. Le plus grand du monde, la Raya Sainte. Il y a beaucoup à dire sur ces grands perroquets qui ont quasiment disparu de l'ensemble de l'Amérique du Sud, à l'exception du Pantanal. Peut-être monter un peu. Peut-être monter. Ouais, c'est du gaz. Mets du gaz. Mets du gaz, on va aller dans les arbres là. Il n'y a plus de gaz. Plus de gaz pour monter. Je prends les branches. Je prends les branches. Je prends les branches. Piloté par Nicolas Hulot au-dessus du Pantanal, c'est ça l'aventure.
Pas de gaz. Bon, là c'est bon. Très bien, oui, doucement. Doucement. Doucement, un peu de gaz, doucement, bon. Doucement, doucement, doucement. Installé là. Un peu de gaz, un peu de gaz. Oh bah. Panne de gaz. Heureusement que j'ai confiance en toi. Il a fallu un jour définir l'animal emblématique du Pantanal. Le jabirou, la plus grande cigogne du monde, a emporté les suffrages. Rouge, noire et blanche, ses 3 mètres d'envergure lui permettent de voler sans effort au-dessus de ces paysages magnifiques. Curieux paradoxe. À notre époque où l'homme rogne chaque jour un peu plus les espaces naturels, le Pantanal ne serait probablement pas ce qu'il est sans sa présence. Au XVIIIe siècle, le général brésilien Rondon gagne la seule bataille jamais livrée par le Brésil contre le Paraguay. En récompense, son gouvernement lui octroie le Pantanal, une surface équivalente aux 2/5 de la France. Sous sa houlette, de nombreux fermiers viendront s'installer, avec pour consigne de respecter l'environnement. Longtemps, les pantaneros et leur bétail importé vivront en bonne intelligence avec la faune et la flore de la région. Nicolas et Jacques Vielliard ont rencontré quelques descendants de ces hommes, métis d'Indiens et de Portugais, devenus cow-boys pour de riches propriétaires terriens qui, eux, ne respectent pas toujours les préceptes du général Rondon. Le Pantanal n'en reste pas moins, mais pour combien de temps encore, un paradis pour les animaux sauvages. Les arbres servent de reposoir à une myriade d'oiseaux. Plus de 650 espèces cohabitent ici. Oiseaux plongeurs, fouisseurs, nécrophages, échassiers, terrestres ou aquatiques, ils sont de loin les composants de la faune les mieux représentés. Perroquets de toutes sortes et de toutes couleurs, toucans, mangeurs de fruits et de graines, se partagent équitablement les arbres. Tu as vu ce nid là ? Ah oui, 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 ce nid suspendu de brindilles. C'est le nid du Phacelodomus rufifrans. Quoi, c'est un petit passereau ? C'est un petit fournier, oui, une famille de passereaux anciennes. On va s'arrêter 2 secondes parce que, franchement, moi, je suis toujours bluffé par le fait que les oiseaux, et souvent les plus petits d'entre eux, sont de véritables architectes capables d'édifices très sophistiqués qui résistent à des vents incroyables. Non, il faut se rendre compte que ça s'est construit par un oiseau qui est un peu plus petit qu'un moineau. D'ailleurs, le plumage tout à fait insignifiant, les brunâtres. Et le mâle, avec son bec, brin par brin, va les faire s'embriquer sur une branche pendante. Et il arrange des tunnels d'accès sur des chambres d'incubation à l'intérieur. Tout ça avec seulement un bec. Et il faut se rendre compte qu'au début de la construction, la branche est horizontale. Il faut qu'il trouve un support suffisant pour... et calculer la flexion. La marche avant, c'est... alors, reste tranquille. Calculer la flexion de la branche en fonction du poids du nid qu'il va construire. Et ce qui veut dire que non seulement ils sont architectes, puisqu'ils dessinent des volumes et des formes, mais ils sont ingénieurs, puisqu'ils anticipent sur le poids du nid et sur la flexion de la branche, de manière à ce qu'en finale, le nid soit vertical. Exactement. Tout ça calculé par un oiseau de 20 grammes qui va construire un nid de 2 ou 3 kilos. Chacun a développé un talent spécial pour construire une certaine forme de nid qui est faite pour protéger les œufs de la chaleur ou de l'humidité et surtout des prédateurs. Les serpents arboricoles aiment bien chercher les œufs, les oisillons.
C'est pour ça qu'ils vont le mettre en bout d'une branche. Là, oui. Le serpent, il y va pas, là. Il essaie d'y aller, mais généralement, il tombe. Il tombe avant. De ce que l'on sait du comportement des oiseaux, la construction des nids est 100% innée ou il y a une part d'acquis? Dans cette espèce et dans d'autres de la famille, les jeunes de l'année précédente aident les parents pour apprendre le coup de main, disons. C'est pas une prise en main, c'est une prise en bec. En bec. Allez. Je pense que le plus adroit d'entre nous serait bien incapable de réaliser ça. Ah oui. Regarde un tatou là sur la piste. Wow. Promène doucement. Ça court vite, bête. Bayano, t'es tapé garde là. Voilà. Ils sont rapides quand même. Oui bien. Mets-le par terre. Mets-le par terre. C'est incroyable. Hein. C'est l'un des animaux, on peut dire, les plus primitifs qu'on trouve en Amérique du Sud. C'est le seul mammifère vivant actuellement qui est encore une carapace. Exactement, oui. Leur carapace est un petit peu symbolique. Ils vivent dans des terriers qui les protègent encore plus. Il fait partie de ce groupe d'animaux très archaïques que l'on appelle les édentés. Leurs ancêtres étaient très nombreux au tertiaire et eux, ce sont les ultimes représentants de ce groupe important qui dominait. Qui ont été préservés en Amérique du Sud parce que l'Amérique centrale a été coupée par les océans. Et les grands carnassiers ne sont pas venus pendant cette période. Donc ce sont des survivants des temps préhistoriques. Voilà, ce petit tatou que l'on ne va pas contraindre plus longtemps. Voilà. Il soit rapide quand même. Oui, bien. Le tatou n'est pas la seule curiosité. Le bestiaire du Pantanal est surprenant. Outre les nombreuses espèces d'oiseaux, on peut y rencontrer 50 reptiles et 80 mammifères, dont le tamandua, un petit fourmilier plus volontiers arboricole. Vamos, Bayan. Le cheval reste incontestablement le meilleur moyen pour se déplacer dans les marais, car il n'effraie pas ou peu la faune sauvage. Habitué des zones marécageuses, le tamanoir, ou fourmilier géant, partage son espace avec le nandou, l'autruche sud-américaine. Ce fourmilier étonne par la constance qu'il met à chercher sa nourriture, constituée exclusivement de fourmis et de termites. Avec sa langue de 60 cm, gluante et vermiforme, il peut engloutir 30 000 insectes en une journée. Son odorat subtil, 40 fois plus sensible que celui de l'homme, le guide vers ses proies. Comme le paresseux et le tatou, il appartient au groupe des mammifères édentés. Petit cervidé, pécari, loup à crinière, proche parent du renard dont les pattes démesurées lui permettent de voir par-dessus les herbes,
se sont parfaitement adaptés à l'environnement. Haroldo Palo, cinéaste animalier brésilien intégré à l'équipe d'Ushuaïa Nature, filme le Pantanal depuis 10 ans. Il n'avait encore jamais pu saisir dans l'objectif de sa caméra le tapir d'Amérique, lointain cousin du rhinocéros, considéré comme un fossile vivant. Kilos, 1,20 m au garrot. Ce grand herbivore à la peau épaisse et coriace affectionne les marais où il se réfugie pour se débarrasser des parasites. Les principaux prédateurs du tapir sont le jaguar et surtout les braconniers, en grande partie responsables de son déclin. Mais depuis 1996, cet animal est classé par la Convention de Washington en annexe 2, celle des espèces dont la population est à surveiller. La grande variété des oiseaux aquatiques existant dans le Pantanal s'explique. Situé au milieu du continent sud-américain, il est sur le trajet de nombreux migrateurs voyageant de l'Amérique du Nord à la Patagonie. De plus, cette région offre de nombreuses zones de micro-habitat, retenant chacune différentes espèces. Ah, beau ici, hein. Regarde l'envol des spatules roses, et bien leur nom. Les grêtes blanches. Regarde les becs en ciseaux là. Ah oui. Ah, regarde. Ah, regarde si c'est beau. Ça. La mandibule inférieure est plus grande. Elle est plus grande, elle entre dans l'eau. Et ça fait sauter le poisson dans le bec directement. Chaque espèce d'oiseau a évolué en fonction de l'habitat qu'il fréquente. La forme du bec, mais aussi la hauteur des pattes et la longueur des doigts sont révélatrices de la manière de pêcher et du lieu de la pêche. Le jacaré, ou caïman commun, est omniprésent dans le Pantanal et toute l'Amérique du Sud. Peu exigeant, il habite les rivières, les lacs et les étangs et tolère assez bien la présence des hommes dans son espace vital. La notoriété de cette région d'Amérique du Sud s'est incontestablement bâtie sur la profusion des espèces d'oiseaux qui y ont élu domicile. On pourrait s'arrêter ici à l'ombre. On m'a signalé un nid de hara yassin, du grand hara bleu. Là ? Dans ces arbres, oui. Eh ben, on va descendre. On va se reposer le dos un peu. Voilà, vivant.
Segura os cavalos. Obrigado. L'araya sainte est le plus imposant et le plus intelligent des perroquets. Mais il est surtout le plus en danger de disparaître. Braconné à outrance, les arbres spécifiques où il nidifie, souvent détruits sans raison par les pantaneros, la population du grand ara bleu est passée de 100 000 individus à 2 000 en quelques années seulement. Viens voir, Nicolas. Voilà le nid du grand ara bleu. La petite cavité qu'on voit là. C'est un des oiseaux les plus rares qui soit. Enfin. Oui, alors, il y a eu un travail de protection qui est sensationnel. Une de mes anciennes élèves, Neiva Guedes, qui a 10 ans, pour initiative propre, sans moyens, a commencé à faire sa thèse pour voir quelles étaient les exigences écologiques de ce ara bleu. Le plus grand des perroquets, il faut le rappeler. Le plus grand, non, c'est énorme. Majestueux. Non, et puis tellement beau, tellement intelligent. D'ailleurs, c'est sa beauté qui lui a été fatale, parce qu'on l'a beaucoup chassé pour ses plumes, pour les trophées, etc. Okay. Le Brésil a pris la mesure de l'extrême danger qui guette cet oiseau extraordinaire. Ancien élève de Jacques Vieillard, Neiva Guedes, une Brésilienne, se bat bec et ongle pour la survie des aras bleus. Son action n'est pas de tout repos, mais elle commence à porter ses fruits. Durant la période de nidification de septembre à décembre, avec Leandro, un étudiant qu'elle a formé, Neiva Guedes recense 100 km à la ronde les arbres qu'occupent les grands perroquets. Des mandouvis, au tronc assez tendre, pour leur permettre d'aménager facilement les cavités naturelles. La scientifique se hisse à la hauteur du nid qu'elle a parfois consolidé pour observer son jeune locataire. Pronto, maman. Chegou, neném. Batizado de Douglas. Bonitasse. Muito bonito, tá super bem. Tranquilo. Placé délicatement dans un panier, il est descendu pour être pesé, mesuré et pour pouvoir effectuer les prélèvements sanguins nécessaires. ...40% des œufs d'araya sainte sont dévorés dans les nids par les faucons, serpents et autres petits carnassiers. Si tout se passe bien, la femelle couve pendant 30 jours. À la naissance, le petit perroquet, nu comme un ver, pèse 30 grammes et mesure un peu plus de 8 cm. Sa croissance va s'accélérer grâce au lait des petites noix de palmier dont le gavent ses parents. À 3 semaines, l'oisillon est disproportionné. Seules ses pattes ont déjà atteint la taille de celle de l'adulte. Le reste du corps se développe un peu plus lentement. Il faudra attendre 120 jours pour que le jeune ara prenne son baptême de l'air hors du nid, et encore 2 mois pour qu'il atteigne sa taille adulte, une envergure de 1 mètre et un poids de 1,5 kg. Le jeune ara restera proche de ses parents pendant 2 à 4 ans, avant d'aller chercher l'âme sœur et à son tour fonder un couple pour plus de 50 ans. Tes parents, comment vont tes parents? Ils sont comment, hein? Sont-ils comme toi? Est-ce qu'ils sont fiers de leur fils, hein? Comment ils sont tes parents? Sous l'œil bienveillant des parents, le jeune perroquet est réintroduit dans son nid. En compagnie de Leandro, Neiva Guedes poursuit sa tournée quotidienne. Elle a déjà sauvé plus de 200 jeunes et s'emploie à faire comprendre aux pantaneros qu'il est indispensable de préserver les palmiers Bocaiova et Acuri, qui sont les seuls à offrir le couvert à cette espèce de perroquet. Devant le nid, il y avait une branche qui est tombée. L'ouverture du nid était trop exposée, alors on l'a fermé en partie avec des planches pour le protéger des intempéries et des prédateurs. Qui peut préjudiquer les filhotes et aussi la prédation.
Voilà Ronald et Patricia. Vous avez déjà mangé, les enfants? Oh, ils sont tellement mignons. Ah non, ils n'ont pas encore mangé. Le lait de coco. Ils sentent le lait de coco parce que leur maman mange des noix de coco. Ça sent bon. Ces deux petits ont la même taille parce qu'on a fait une manipulation. Il y avait un autre nid où il y avait deux jeunes, dont un beaucoup plus petit. Ce dernier risquait de ne pas survivre. Dans un autre nid, c'était la même chose. Alors on a mis les deux plus grands ensemble et les deux plus petits dans le deuxième nid. Ils ont à peu près 10 à 12 jours. Le pauvre, il a faim et il a froid. Il a froid celui-là. Il a froid, laisse-moi le réchauffer. Aujourd'hui, les parents n'ont pas encore donné à manger à leurs petits, probablement à cause du froid. Dans le nid, la température est plus élevée qu'à l'extérieur. Et puis, ils se blottissent l'un contre l'autre pour se tenir chaud. Leur température varie de 2 degrés, de 38 à 40 degrés pendant leur croissance. Leandro, maintenant on va remettre Patricia et Ronaldo dans leur nid et on va laisser les parents s'occuper de leur alimentation. Ils ont un peu froid. La manipulation, bien rodée, dure une dizaine de minutes tout au plus, toujours sous le regard attentif des parents en grande discussion. Habitués à la présence répétée de Neva Guedes, les couples d'Ara ont une totale confiance en elle. La jeune femme les considère tous un peu comme ses propres enfants. Nous avons récolté des œufs dans un autre arbre. Nous revenons au laboratoire. Préparez l'incubateur, s'il vous plaît. Un couple d'Ara bleu est fidèle jusqu'à la mort. La femelle pond une fois par an de 1 à 3 œufs. Mais les parents privilégient la couvée et l'élevage d'un individu de la portée. Neva Guedes fait la tournée des nids pour tenter de sauver les délaissés. Les œufs mis en couveuse ont, grâce à elle, une chance de donner de petits oisillons qu'elle réintroduira discrètement dans le nid des parents. Maintenant, lève la tête, comme ça. Si on n'était pas là pour l'aider, il serait mort maintenant. C'est ça quand tu travailles avec les animaux. On n'arrive pas à se retenir. Il vient, regarde, il sort. Oh, c'était difficile. Il faut dire à tous qu'il est né dans mes mains. Leandro, s'il n'était pas né au laboratoire, il serait probablement mort maintenant. Il a déféqué dans l'œuf et cela n'est pas normal. Tu es un vainqueur, mon petit. Tu es déjà un héros. Tu as réussi à survivre, mon petit. Le nouveau-né est très fragile. La scientifique le garde en couveuse pendant au moins 5 jours avant d'aller le replacer dans son nid où elle avait pris soin de déposer en attendant un œuf de poule de la même grosseur. Dès son départ, la femelle se précipite pour gaver l'oisillon de lait de noix de palmier. Et petit Ara bleu deviendra grand très vite.
c'est le pratiquement le plus grand marécage du monde, quoi. C'est un écosystème totalement unique, rare, vital, précieux, dont la sauvegarde d'ailleurs est cruciale parce que, en termes de biodiversité, c'est un lieu totalement exceptionnel. C'est surtout un vivier. Au point de vue de la biodiversité, c'est une rencontre entre les faunes et les flores de la Mata Atlantique, hein, du sud, de l'Amazonie au nord et de savane cerrado du Brésil central. Un carrefour. Un carrefour, absolument. Sous les racines, il y a un beau râle. Le râle des forêts, tout gris. Regarde cet oiseau, s'il est magnifique. Très coloré. On regarde là-bas. Avec cette petite glande sur le museau. Exactement. Qui lui permet de marquer son territoire. Ils se nourrissent avec les plantes aquatiques, surtout, mais ils sont aussi capables d'aller brouter un pâturage. C'est pour ça qu'ils ont tant de succès. Ils se reproduisent bien. Fort de la présence de ses congénères, ce gros rongeur sans complexe pousse le jacaré hors de son chemin pour protéger ses petits. Monde là sur la berge. Ah oui, se chauffe. C'est le caïman. Caïman jacaré. Beaucoup de crocodiles au Pantanal actuellement. Les plus gros font combien de mètres? Oh, ils sont pas très gros, ils ne dépassent pas 3 mètres. En général 2 mètres 50. Un peu trop taquine, cette loutre géante se fait vertement rappeler à l'ordre. Vexée, la demoiselle aux grandes moustaches retourne à ses jeux d'eau. Elle est là. Elle est là. Devant. Bonjour. Ben voilà, au même endroit. Oui. On entend. Elle est craintive, mais tu vois, elle hésite entre l'envie de détaler et la curiosité qui est quand même très forte et notoire chez les loutres. Ah oui, ça, elle est très curieuse. Mais enfin, elle défend aussi son territoire. Nous sommes des intrus ici. T'as vu la tache blanche qu'elle a sous le cou? Chacune a une tache de forme différente. Ça permet de les reconnaître individuellement. Ça sont les loutres géantes. Peuvent faire facilement 1m20, 1m30. Hein. Ah oui, ça atteint 1m50 au moins. C'est un phénomène de convergence évolutive parce que c'est vrai que sur un plan morphologique, elles ressemblent beaucoup aux otaries. Mais pourtant, elles ne font pas du tout, évidemment, partie ni du même groupe, ni du même ordre. Ce sont des carnivores, oui. En fait, les pinnipèdes ne sont pas très loin des carnivores. Ouais. Puissante, intelligente, insatiable carnassière,
la loutre géante, aussi appelée chien d'eau, savoure le poisson capturé d'un coup de sa patte palmée avant d'aller jeter un coup d'œil à son terrier creusé dans le sable de la rive. Sociables, les loutres vivent en famille de 3 à 9 individus, voyagent, pêchent ensemble en parfaite harmonie. Devant ce groupe, les jacarés ne font plus la loi et battent en retraite. Après les marais où les insectes pullulent, naviguer sur le rio Negro du Pantanal aux eaux couleur pain d'épices est un bonheur. Les moustiques y sont inexistants. Les eaux sont pauvres en limon mais riches en acide humique. Leur pH, en dessous de 5, ne permet pas le développement des larves. Sur la berge, Jacques Vieillard montre l'empreinte récente du plus grand carnivore du Pantanal, le jaguar. Un félin ultra puissant, discret, à la superbe robe tachetée. En langue guarani, son nom signifie « celui qui tue d'un seul bond ». Fort de ses 130 à 180 kilos, si son attaque ne réussit pas du premier coup, ce qui est rare, le prince du Pantanal abandonne la partie. Le bestiaire fabuleux de cette région du monde est tributaire de la bonne conservation de l'écosystème dans son entier. Mais des ombres planent sur l'intégrité de ce gigantesque marais, pourtant classé patrimoine de l'humanité. De quoi faire perdre dans l'avenir un peu de sa superbe au jabirou, fier et bel emblème du Pantanal. Et dans le Pantanal qu'on peut vivre un instant comme ça. À 3 mètres d'un jabirou, la plus grande cigogne qui puisse exister, sont des moments qui sont inenvisageables ailleurs. Décidément, ce soir, on aura vu la nature dans tous ses états ou dans tous ses éclats. De l'extérieur, quand on n'a jamais été au Brésil, ce pays exhale l'imagination. Et il faut bien reconnaître qu'après la visite du Pantanal et de la Mata Atlantica, ce pays a tenu ses promesses au-delà de toute espérance. À plusieurs reprises, nous avons cru entendre la nature clamer son bonheur et on a eu ce sentiment très agréable de côtoyer de près la virginité du monde. Cette immense bestiaire traversée, ces prouesses animales observées, ces merveilles d'adaptation constatées nous ont livré le plus poignant témoignage sur la prodigieuse richesse de notre univers. C'est insensé. Regardez ces terres sauvages qui fleurent bon la liberté à telle enseigne qu'on a parfois le sentiment de visiter quelques fragments d'Éden échoués sur notre planète. Hélas, trois fois hélas, le paradis ignore l'éternité ici car d'ores et déjà, les menaces qui pèsent notamment sur le bassin du Pantanal sont nombreuses. La plus titanesque d'entre elles, c'est un projet pharaonique de voie fluviale pour désenclaver la région, pour donner notamment aux pays voisins, la Bolivie, un accès à la mer. Autant dire que c'est la chronique d'un désastre écologique annoncé. Et on a l'impression décidément qu'il y a une sorte de fatalité, comme un acharnement systématique à vouloir détruire les derniers lieux sauvages de la planète. On n'a plus qu'à souhaiter que la conscience reprenne ses droits et que tout cela, en tout cas, ne nous fasse pas oublier cette inespérée et inattendue rencontre dans cette eau limpide et cristalline avec cette loutre géante. Et on a la prétention ou la naïveté de croire qu'il s'agissait d'un signe ou d'un cadeau de la nature, ou mieux encore, d'un dialogue avec elle, ce dialogue que ni les uns ni les autres n'aurions jamais dû cesser d'avoir. Bonsoir.